si tu es ingrat, sois délivré de l'ingratitude. Amen. L'ingratitude, c'est un péché. C'est-à-dire quand quelqu'un te fait quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est une forme de sorcellerie. Même si la personne fait quoi, tu dis, ah, au fait, je me tais aujourd'hui parce que la personne m'a une fois fait telle chose. À cause de ça, je garde mon calme. Le jour où Jésus a guéri les 10 lépreux, il y a une seule personne qui est venue dire merci à Jésus. Et Jésus s'est posé la question, dit, mais et les 9 autres? Donc vous voyez, notre ministère là, c'est fait le trop d'ingratitude. Hein. Moi, il y a des gens que j'ai aidés aujourd'hui. Du moins, Dieu est passé par moi pour aider. Mais aujourd'hui, là, même coup de fil, on ne trouve pas. Amen. Donc, quand on voit un monsieur comme diablé, comme cette soeur camerounaise, je n'ai rien demandé. À ma grande surprise, elle m'a envoyé de l'argent. Elle me dit, j'ai fait plus que ça. Parce que moi-même, j'ai vu. Il y a des gens, tant qu'on n'est pas à Zaro, qu'on ne m'envoie pas l'argent. Vous connaissez bien ma bouche. Moi, je ne cache pas mes trucs. Comme cette année, je n'ai pas fêté à Zaroko, il est difficile pour eux de m'envoyer l'argent. Amen. Amen. Donc, quand on voit un monsieur comme diablé, qui reconnaît, il dit, j'ai mis du temps venir, parce que les gens demandaient, ça allait aboutir à quoi. Aujourd'hui, il est l'inspecteur de police, pas du droit. Et dans le bureau, la préfecture de police. Et heureusement, je ne suis pas parti. J'étais un peu fatigué. J'aurais dû partir. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je cours après un monsieur. Donc, c'est l'autre est parti, Armel, un autre pasteur, le pasteur Point, et puis Seco Poulin. Ils sont allés à sa rencontre. Moi, je ne cours pas après les gens. Je ne cours pas. Ils sont déjà allés prendre le colis et tout ça. Il m'a donné 100 000 francs. Ça, j'ai dit. C'est 100 000 m'a donné. Et puis d'autres présents. 100 000 francs, d'autres présents. Mais la reconnaissance, le fait de dire merci, parce qu'à cause de toi, ils ne m'ont pas mangé, c'est déjà quelque chose. À cause de toi, aujourd'hui, ta prière, j'ai été nommé comme inspecteur de police du Côte d'Ivoire, c'est déjà quelque chose. Avant la fin d'année, Dieu l'a positionné. Ça fait du bien aux gens. Amen. Ça, c'est ça. C'est vraiment, et j'en profite pour dire merci. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici. Ils viennent voir nos réalités ici. Merci aussi pour Aïda, cette jeune femme qui vient me trouver une voiture qu'on doit envoyer très bientôt pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est bien. Ouais. Pour ce qui est fait dans le VATA, moi-même, je n'ai pas besoin de parler. Les gens doivent mettre parce que ma voiture sont gâtées. Pour ce qui est fait. Dans le VATA, pendant des années, les gens vous tuaient. Aujourd'hui, qui parle? Aujourd'hui, je peux dire merci. Je peux dire, ce monsieur est gentil. Qui m'a une fois envoyé quoi que ce soit à Zaroko pour dire non, on vient comme la délégation des cas de Zaroko pour dire merci parce qu'à cause de toi, on ne fait plus funéraire. Qui a dit? Vous même êtes là, qui? Répondez-moi, à qui vous avez vu? Vous devez venir au nom de toute la délégation, parce qu'à cause de toi, parce qu'il y a des témoignages en réalité. Les gens mouraient chez vous. Aujourd'hui, Zaroko est devenu comme un lieu de pèlerinage. On n'a plus peur qu'on a Zaroko. Même si vous ne reconnaissez pas ça, je sais reconnaître. C'est pas au travers de notre ministère. Et puis, il y a eu trop de sacrifices. J'ai laissé la ville ici. J'ai fait plus de 3 mois, je dormais à Zaroko. De l'eau bizarre, je me lavais ça. Ça étonnait beaucoup de personnes. Mais je suis resté pour ne pas qu'on vous tue. Il y a qui? C'est ça, dit merci. Au moins, diable a levé le doigt. Parce qu'en réalité, c'est les cadres qui sont la cible. Il y a des gens qui ont aidé. On a aidé aujourd'hui. Qui? Je ne dirai pas le nom, même à Douaville. Je ne dis pas le nom de la personne. Il y a des gens qui ont délivré. Ils n'ont jamais cherché à me voir. Pour dire merci. Jamais. C'est parce qu'il y a l'amour des âmes que je suis ici avec vous. Amen. Je suis déjà vraiment très surpris que le prophète Krasso, il est tellement connu au Maroc. Je suis surpris. Tu viens ici, c'est déjà. Je suis allé dans un restaurant. Je disais, nous, on cherche partout, la galerie est sans graine. Je connaissais un ancien, puisque ce n'est pas ma première fois. Je connaissais un coin
quelque part à Casa, il y a placage là, ils sont grecs. J'ai mangé quoi les pains bizarres, façon. Moi, je me retrouve au pays. Donc, je rentre dans le restaurant et il y a un jeune Gabonais qui se lève. Il est sur le pont frère Casso. Il est tourné et tout le restaurant a commencé à agir. Le gars m'approche, il dit « Ah, tout seul avec te voir. » Je rentre dans ma grande surprise. Les gens m'ont salué pour dire « Vraiment, nous sommes d'accord avec ce combat que tu es en train de mener. Je te suis ça pour vous. » Donc, notre histoire là, c'est sérieux. Hein? Amen. On doit prendre ça au sérieux. Hein? Amen. Vu comme dans un restaurant à Casa, on m'interpelle, même dans la rue. Je finis par comprendre que c'est sérieux. Je finis par comprendre que depuis des vidéos mises en ligne, ça a aidé beaucoup de personnes. J'étais content hier. Je lisais le message d'une soeur camerounaise. Ouais, la fille, elle ne veut pas parler de l'école. Tu manges pas, madame. Tu veux parler, hein? Hein? Tu veux parler quoi? Je vous ai pas dit qu'elle partait mourir. Ah, c'est dégradé. Hein? Où est ses parents? C'est comment il a appelé, c'est qu'elle est venue. Où est? Hein? Moi, j'en ai donné les nouvelles de Maroc. Je donne les nouvelles du Maroc. Maroc est doux, hein, c'est intéressant. Il y a un congélateur dans la rue. Il n'y a pas besoin de prendre split. Split là dans la rue. Armel lui prend chaleur. Il dit toi aussi, c'est chaleur, tu sais. Il prend chauffage. T'as quoi? Ah, vous avez compris. Elle dit depuis les parties, il ne mangeait pas. Je n'ai pas dit, elle n'a pas dit que c'est souffrance. Ici, là, c'est totem de sorcier. De la brigade. Je vous ai dit, cette année, pas m'amuser, sorcier. Non, je ne supporte pas. Non, je ne supporte pas. Non, je ne chicote pas les gens. Non, il y a une manière de les chicoter. C'est spirituel. Aïe. Vous faites quoi? Hein? Ah, mais tu as tué. Hein? Hein? Tu as tué. Hein, comment mon français là? Mais elle n'a pas dit la tuer combien? La dernière fois? Quatre. Elle avait dit la tuer quatre encore. Tiens là, elle a tué 33. Beaucoup comme ça, beaucoup. Elle n'a rien dit sur toi? Elle avait dit la tuer quatre encore. Et toi, elle n'a rien dit sur toi? Elle a dit, elle m'a donné pardon. Elle a dit quoi sur toi? Il dit que ce qu'il a fait, moi, c'est trop. Ils t'ont tué déjà. Ah. Comment tu vas faire, là? Ils sont en train de manger à tôt, là-bas. Tôt, sort d'abou. Sauce arachide et d'abou. Mais ça, c'est aux foutaises, hein? Tu parles quand on dit à manger, on a demandé ton sauce, ton et d'abri. Ça, tu mâches, tu cries, hey, papa, on t'a dit à manger. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu Armel. J'ai trop souffert. Tu veux pas parler? Oui, qu'est-ce qu'elle a? Depuis qu'on est allé là. Depuis où est papa? Depuis qu'on est allé, elle est sur Abidjan. Elle mange pas. Elle mange pas. Mais je vous ai dit. J'ai dit, tant qu'elle ne fait pas des aveux, c'est fini, elle va plus se retrouver. C'est ça. On ne s'amuse pas avec des sorcelleries. Ouais, je dis, non, je tue les sorciers de mon village. Je les tue. Venez avec le sujet, je vais vous montrer les techniques. Ce soir, je vais vous montrer les techniques. Oh, j'ai trop de choses à vous dire.
Il avait l'air bizarre. J'ai dit, je suis au Maroc. Non, les gens disent, c'est difficile. Mais quand vous êtes arrivé au Maroc, est-ce que vous avez parlé à la tête du Maroc? Non. Mais c'est des choses que vous devez connaître. Quand vous partez dans une nation, vous devez parler à la tête de la nation. Parce que la Bible dit que là où tu fouleras les pieds, il te donne le territoire en héritage. Il faut revendiquer ton héritage. Prends ton héritage. Or, tout est spirituel. Parce que là-bas, c'est le Marocain d'abord. Et quand on dit Marocain d'abord, c'est d'abord spirituel. Tout était travaillé. Là-bas, c'est un pays où on ne sort pas l'argent. On ne sort pas comme ça l'argent. Donc là-bas, c'est difficile pour d'autres personnes. Il y a des choses qu'on a besoin de vous enseigner. Et je vais commencer l'enseignement ce soir. Petit sorcier, va faire quoi devant vous? Amen. Amen. Moi, les chers sorciers, j'ai dit à la LTI, cette année, la pardonner, je vous demande pardon. Pardonnez jusqu'à, donnez-moi Aziz 47. Livrez-le en spectacle, livrez-le. Amen. Je vais vous montrer qui est Jésus. J'ai dit au réalisateur, il dit, pardon, il faut organiser, appelle le monsieur là. Ce qu'on appelle Aziz 47, appelle-le, et puis organise une rencontre, et puis il faut appeler le plus grand des dozos. Oui. Il faut que dans cette nation, les gens nous respectent. Il faut qu'on respecte l'église de Dieu. Il faut qu'on nous respecte. Qu'on découvre en nous, il y a une force. Je lui ai dit, appelle-moi le plus grand des eaux de la Côte d'Ivoire. Dis, il fait sortir le feu. Et puis, il pisse dans son vent, ça ne rentre pas là. Il faut l'envoyer. Oh yes. Je lui ai fait manger sa langue. Si je n'ai pas fait ça devant la nation, dites le prophète, c'est un menteur. Oh yes. Dieu vous donne pouvoir, vous êtes assis là-dessus. Moi, le pouvoir Dieu t'a donné là, c'est pour faire malin sur Satan. Amen. Amen. Satan qui vous fait. Puis quand tu vois Kafa, tu as peur. Voici mon grand-père. Tu vois ton grand-père dans Kafa. Ouh, aujourd'hui, ils sont venus. Tu as vu 5. C'est le village qui est venu, 5 Kafa. Tu vois Bia. Nia. Tous les grands-mères sont dans les Kafa. Tu as peur. Vous qui avez peur de Satan. Satan ne vous effraie pas. Amen. N'ayez pas peur de vous. Là où il y a un enfant de Dieu, le royaume de Dieu, Satan doit trembler. Amen. Ce n'est pas moi qui voulais devenir chrétien, c'est Jésus qui a dit d'être chrétien. Amen. Amen. Il m'a dit, voici le pouvoir qui t'est donné. C'est pas pour dormir ça. Et puis je lui ai dit merci. Parce que je suis devenu chrétien, je lui ai dit merci. Merci parce que je suis pas chanceux. Nous sommes en train de nous organiser. Déjà, je dis à ceux. On a des programmes de village. On a. Qu'on appelle, le village. Avant Lakota. Après Lakota. Non, pas n'y allez pas. Zikiso, c'est très bientôt. Parce qu'on attend que ma voiture. Justement, je voulais prendre la voiture. Il y a un souci au niveau de la voiture. Mais merci aussi. Je dis merci à Ida pour la voiture qui vient très bientôt. Merci. Elle me l'a confirmé encore aujourd'hui. Elle m'a dit, tu souffres beaucoup. J'ai vu qu'il y a un problème. C'est une femme musulmane. Hein. Elle a été délivrée ici. Elle a des pouvoirs en elle. Les pouvoirs mystiques en Europe. Elle fait des visions. Elle vivait de ça. Mais elle a souvent des semaines, des jours dans la semaine où elle ne peut pas parler à quelqu'un. Ce sont des esprits. C'est ici qu'elle a été délivrée. Avant de partir, je l'ai baptisée. Je lui ai donné 2 Bibles, je crois. Elle est partie avec ça. Je l'ai su sur le Skype, je l'ai su. En matière de chrétiennité, c'est elle qui a décidé. Il y a la voiture, elle est là. Elle va nous faire envoyer la voiture pour être efficace dans le travail. J'en profite aussi, merci Augustin. Voilà, parce que cette petite Skype là, c'est Augustin. J'en profite. Voilà, merci. On a dû nous autres retaper, retoucher. Merci Augustin de passage. Merci, que Dieu te bénisse. Merci. Vous devez nous soutenir. On a aussi n'allez pas à visiter. On a beaucoup de villages. Ici aussi, merci. Il y a aussi ici. Nous sommes en train de nous organiser. Je reviens du Maroc où la tête est dégagée. Amen. Ah, ah, ah. La tête est dégagée. Amen. Alléluia. La tête est dégagée. Je suis prêt. Je suis prêt à attaquer village. Amen. Oui, j'en profite pour dire ma venue à Paris. C'est vraiment un souci, c'est devenu un grand souci.
je ne voulais pas rentrer dans ce domaine parce que je ne veux pas que le nom du pasteur soit que son image ou son église. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de ça. Mais j'ai eu l'impression que les gens ne sont pas en train. Parce qu'il y a la dernière fois où je posais le pasteur, j'en ai profité. J'ai eu l'impression que le pasteur m'accusait. J'explique. Il m'a dit, j'ai posté des vidéos où j'ai dit aux gens que ça décourageait les gens. Je n'ai jamais découragé les gens. Au contraire, moi je ne travaille jamais avec les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont invité à Paris. J'ai refusé de venir à Paris à cause de leurs témoignages. Parce qu'il y a des témoignages des pasteurs qui ont même des grandes églises. Il y a des personnes, même des femmes, des prophétesses qui me connaissent très bien, qui m'ont invité plusieurs fois, qui peuvent même me prendre ici, m'envoyer. Mais à cause de leurs témoignages, je ne réponds pas à leur invitation. Il y a d'autres qui veulent me prendre pour faire affaire. Ils vont m'inviter, voici comment on va faire les guichets à la porte, ils vont payer telle somme. Et puis voici ce qu'ils vont me donner. Depuis l'année dernière, je suis passé, j'ai refusé de partir à cause de tout ça. Aujourd'hui, si je prends la peine de dire son nom ici, parce que moi je ne dis pas le nom de n'importe qui ici. Je suis suivi même par la France. Plus de 60 000 personnes nous suivent sur le YouTube. Si je dis le nom d'un pasteur ici, c'est que je le considère. C'est ce qu'il dit. Il faut qu'on se respecte. Moi, je le respecte. On ne s'est jamais vu physiquement, ça vient sur le Skype, mais je le respecte. La preuve, c'est que quand j'ai une personne sur la France, je mets cette personne en contact, je donne le numéro du pasteur. Je suis rentré dans une inquiétude. Pourquoi? Parce que depuis où on a communiqué le numéro du pasteur, chose bizarre, c'est que lui, il a perdu, c'est ce qu'il nous a fait entendre, son portable, et le portable de celui avec qui ils sont ensemble en train d'organiser m'a venu sur Paris. Pendant une semaine, moi je n'ai pas de leurs nouvelles. Eux aussi ne m'ont pas appelé pour dire qu'ils ont perdu leur téléphone. On m'emmerde, tout le monde m'emmerde. Tu viens quand à Paris, tu as donné le numéro de quelqu'un depuis ici, on appelle, on n'arrive pas à le joindre. C'est devenu un problème et c'est mon image. Je cherche à savoir, ils ont perdu leur portable. Ok. Donc on demande au monsieur, le pasteur, de refaire une vidéo pour la communauté. Nous sommes à l'aide de la communication pour balancer la vidéo. Ok. On a récemment dit, comme nous ne sommes pas loin de l'Europe, de chez vous et chez nous, le Maroc, ça fait 2 heures de vol. Là-bas, avec combien d'euros, on peut avoir déjà un billet d'avion. On peut directement avoir un billet d'avion pour venir sur le Maroc. Donc, comme nous ne sommes pas loin du continent européen, venez déjà pour qu'on discute. Ce n'est pas de l'orgueil, mais moi, le prophète Krasso, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un enfant quand même. Je ne suis pas un enfant. Si vous ne pouvez, vous n'avez pas ce zèle de venir me voir au Maroc, alors à l'aéroport de Casa, à Casablanca, pendant que j'étais en train de remplir des papiers, j'ai fait une vidéo pour dire très bientôt Paris, mais Paris, motivez-vous parce que je ne vous sens pas. Or, ceux de Londres sont venus. Il y a Nanasis Nabo qui est venu la dernière fois. Il est parti, il nous a fait des journaux. Il y a un journal avec qu'on a tiré, en fait, au nom du ministère, ça déjà là. Il est venu avec une jeune soeur qui s'appelle Élise, merci. Et ils sont venus nous rendre visite à Casa. On a même prié pour eux. Ils ont dit, ok, dès que nous rentrons à Londres, nous allons nous organiser. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, ils se sont organisés. Ils ont trouvé la salle. Ils ont trouvé les dates. Ils nous ont même demandé directement d'envoyer les papiers pour les visas. Or, l'ambassade de Londres, le Royaume-Uni, se trouve au Ghana. Il vient que la première semaine du mois, de chaque mois, ils ont une semaine sur la Côte d'Ivoire pour prendre les visas. Donc, ils m'ont appelé, Londres m'a appelé pour dire, si il faudrait cette semaine, c'est-à-dire le lundi prochain jusqu'à la... Lundi, c'est le 2, jusqu'au 8 ou 9, 8, l'ambassade se déplace de Ghana, ici en Côte d'Ivoire. Pourtant, la France a besoin de toi. Est-ce que la croisade de la France tient? Il dit oui, ça tient. Or, si tu déposes ton passeport maintenant, ça va peut-être prendre 2 semaines, 3 semaines. Quand la France va vouloir tes papiers pour avoir le visa, il sera difficile. Tes papiers seront déjà introduits à l'ambassade du Royaume-Uni. Donc, il a dit, ok, c'est une bonne idée. Appelons le pasteur. C'est ce qu'on essaie de faire avant-hier. J'appelle le pasteur pour échanger avec lui. Il se plaît. Parce que moi, j'ai fait des vidéos, je lui ai dit, moi, que les gens se plaignent, sont découragés. Je lui ai dit, mais qui j'ai découragé dans une vidéo? J'ai découragé qui dans une vidéo? Bon, est-ce que les papiers, parce que nous, on voulait faire le visa une priorité.
Pour que j'arrive en France, il faut d'abord qu'on a le visa. Alors si vous parlez des salles, que moi je suis à Paris, n'importe qui tu vas demander de cotiser, mon cotiser. Parce qu'il y a des personnes qui m'appellent pour dire non, les gens de Paris demandent chacun 1000, 1500 euros. Est-ce que c'est vrai? Je dis, ben, moi je ne suis pas en affaire de la cotisation. Mais s'ils mettent une cotisation en place, vous devez les soutenir. Ça c'est déjà preuve de confiance que j'ai eu pour la France. C'est preuve de confiance. Mais on dit maintenant, actuellement là, c'est février. Je dois arriver en février. Alors, est-ce que vous faites le visa une priorité? Non, on n'a pas encore eu de salle. Mais justement, il me dit, c'est moi qui traîne. Non, c'est parce qu'on n'avait pas encore eu de salle que je traînais. Maintenant que le jour où j'ai eu le salle, j'ai demandé à Armée de où? J'ai envoyé mes papiers, ils sont partis. Mes papiers, celui de. Ceux qui doivent partir, nous sont partis sur la France. Maintenant, on vous demande que, où en est le programme. Et vous voyez, c'est nous qui vous appelons. Tous les jours, c'est nous qui devons appeler ceux de Paris pour avoir une idée de leur programme. En tant que ceux de Londres. Le pasteur s'est plaint. Pourquoi? Parce que moi, je compare leur programme à celui de Londres. Mais justement, c'est pour créer, pour provoquer en vous l'orgueil. C'est pour fouetter votre orgueil. Pour dire, vous êtes venus avant ceux de Londres. Parce que où en est le programme de Londres? Mais on dit, mais le problème, là n'est pas le problème. Le seul problème, le visa. Faites de ça une priorité. Si on a le visa, c'est fini. Si vous demandez à quelqu'un même de cotiser 2000 euros, il va cotiser. Si j'ai le visa, j'arrive à Paris. Ça fait combien? Toute votre organisation, ça fait 60 millions pour inviter le prophète Krasso. C'est pas mauvais, 60 millions. Mais en temps pour avoir le visa, tout ça là, si c'est trop dépensé, peut-être le truc, peut-être c'est 3 millions, 4 millions. Peut-être c'est trop. Avoir le visa, les billets d'avion pour nous faire partir là-bas. Il dit, mais c'est tellement simple. Si on a le visa, qu'on descend en France, mais c'est fini. Le programme s'est fait en même temps. C'est qu'on essaie d'expliquer au pasteur. Il nous envoie là, il nous envoie ici. Je dis non, on ne rentre pas dans le problème de non. Ça c'est en vent. Vous devez faire le programme du visa une priorité. Bon, on n'arrivait pas à s'entendre. J'ai dit, mon pasteur, moi quand tu parles comme ça, je ne peux pas travailler avec toi. Ben, c'est mon image. Je suis désolé, je ne peux pas travailler avec toi. On ne se connaît pas, on se respecte. Non, lui aussi, il est homme de Dieu. Ah, non, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Je le dis vêtement parce que vraiment, moi je ne me mets pas là pour parler d'un pasteur, du mal d'un pasteur. Mais à tout moment, moi, on m'appelle, on m'interpelle. Tu viens quand à Paris? Tu viens qui à Paris? Si je poste une vidéo pour dire ceux de l'homme depuis Casa, je poste une vidéo pour dire ceux de l'homme. Voici comme l'homme dit. Moi, je ne suis pas un enfant. Je te respecte aussi. Je ne t'ai jamais offensé. Je t'ai toujours respecté. Tous ceux qui me demandent ici, je donne ton contact. C'est parce que je te respecte. Jamais j'ai offensé le nom de Dieu. Je ne me suis jamais comparé à toi. Pour dire que non, je suis pasteur, ou je suis prophète, le plus puissant. Je n'ai jamais dit en Côte d'Ivoire, je suis le prophète le plus puissant de la terre. Non. Mais c'est mon image qui est en jeu. Et là où il y a mon image, je dois avoir clair du nom. Et j'ai dit au pasteur, parce que l'idée que je donne, il faudrait que le point de visa soit une priorité. Si les gens savent qu'on a le visa, que je communique, j'ai le visa que je mets à Paris, c'est fini. Voilà, donc le problème, mais moi je serai à Paris. Je me tais là-dessus. Je me tais. Ce comité-là, je ne suis plus dedans. Ce comité qui est en train de faire là, je ne me reconnais plus dedans. Même si j'envoyais des centaines de milliers, je ne bouge pas avec eux. Mais tout est en train de se passer pour que j'arrive à Paris. Et je serai à Paris pour la fin. J'étais au plateau avec les enfants de la rue, ça fait pitié. Il y a des endroits où on doit évangéliser. Je ne vais pas à Paris pour me. Non, je viens à Paris pour enlever les déchets que les sorciers ont mis sur vous. Les gens qui disent qu'on va chier sur vous. Vous êtes restés à Paris des années, vous n'avez rien. En réalité, c'est vrai, ils ont des difficultés. Vous enseignez des choses pour que demain, vous puissiez venir investir en Afrique, c'est tout. C'est ça mon problème. Vous ne pouvez pas venir prêcher là. Il y a Zaroko là. Il y a Bagako, il y a quoi? Boivy. Mokopro, Zego, tout ça. Il y a les villages qu'on n'a pas pour évangéliser. Voilà. Il y a des villages qu'on n'a pas pour évangéliser. Toute la Côte d'Ivoire n'a pas pour évangéliser. Je ne viens pas à Paris pour se frimer. Je vous dis que les gens, ils ont déjà tous les papiers. Ils veulent introduire ça au niveau de l'ambassade pour qu'on ait le visa. Mais en même temps, on s'inquiète pour ceux de Paris. Si déjà on envoie les papiers à l'ambassade, il sera difficile si les gens de la France nous envoient les papiers. Nos passeports seront déjà à l'ambassade et ça sera difficile. Mais on vous dit, faites des saintes priorités. Mais quand même, je ne suis pas n'importe qui. Il faut qu'on se respecte.
Voilà. Il faut qu'on se respecte. On a plus de besoins. La France, c'est vrai. Mais il faut qu'on se respecte. Je ne suis pas n'importe quoi. Ça te coûte quoi? Moi, depuis que j'ai vu ça, d'envoyer une personne délégation me retrouver à Gaza, au Maroc, pour qu'on échange, que la personne parle. Personne. Même ici en Côte d'Ivoire, personne n'est venu. Je ne peux pas dire que c'est un problème. Mais je te donne une idée pour dire, faites du visa une priorité. Vous trouvez ça un problème? Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Voilà. Je ne suis pas dans vos histoires. Madame, ça va? Vous voyez, elle ne veut pas parler. Elle est venue sorcière. Tu ne manges pas depuis là, non? Tu ne manges pas. Elle ne parle pas. Ah, c'est comme ça ici, Didi Ké. On appelle ça la brigade anti-sorcier. Tu dis qui? Vous voyez, c'est dans vos églises où sorcier prend communion à Nice là. Il y a les sorciers, ils ont foutu, hein. Prends le corps du Christ. Au lieu de voir sa bouche là, c'est autre chose qu'ils donnent. Sorcier ont foutu. Quand sorcier vient ici, il sait que Dieu est ici. C'est pas orgueil. C'est la vérité. Sorcier, il faut lui dire la vérité. Il est sorcier s'il est mauvais. Madame, tu parles pas. Tu parles pas. Hein? Elle est en train de mourir. C'est comme ça une femme à Zaropo, c'est comme ça elle était. Elle ne veut pas parler lui quand elle a maigri, quand. Voilà. Elle a maigri. Et puis nous, on a ça aussi dans nos ministères. Les gens maigrissent quand ils meurent. Ça fait mal, non? Je vois une personne en train de mourir à petit feu. Ça va? Ça va? Tu es des autres pasteurs. Ah, va mourir. Non, moi j'ai une autre manière de voir le sorcier. Mais en même temps, si tu ne veux pas parler, tu vas en Mauritanie. Tu deviens mauritanienne. Dès qu'elle a gagné le visa. On a eu le visa, le séjour, tout ça là. Vous voyez pas ça? Madame, ça va? Ça va? Ça va? Elle parle plus. Dieu t'a donné l'occasion de parler, tu ne parles pas. Maintenant, elle a fermé bouche. Madame. Elle parlait. J'ai souffert. J'ai trop souffert. J'ai souffert. Tu as parlé. Quand il faut parler, tu ne veux pas parler. Je vais parler. Je vais dire. Je vais dire. Je vais dire, il n'y a pas de vidéo, je regarde. Maintenant, tu n'as pas parlé quand la bouche est fermée. Elle ne parle plus. Vous avez vu. Ça fait mal. Mais c'est comme ça, quand tu ne veux pas parler, c'est comme ça. Ah, c'est bon. Les yeux parlent. Elle dit quoi, qu'elle parle. Quand ça vient, elle parle quoi? Alors, j'ai vu un arrivé, elle dit, elle m'a mis Yannick Roche, moi, maman, mon fils, mon cousin. Hein? J'ai mis Yannick Roche. Ouais, là-bas, donc vous êtes en prison. C'est moi, Bernard. Oui, j'ai dit. Bernard. Là, qui suis. Ma mère, son maman. Vous avez mis dans quelque part là-bas, en prison. C'est fini, elle n'a plus rien dit. Je vais savoir Madame, on va ma pensée, vraiment, vous avez fait sortir de la maison. Moi, je l'ai beaucoup aidé, ou bien. C'est ma sœur qui en fait ça. Elle voulait tuer sa jeune sœur qui en fait. Oui. Comment t'appelles? C'est qu'après, comment t'appelles? Nadège. Nadège. Elle va la tuer. Madame. 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 Madame.
Madame. Madame. La voix est partie. Madame. Comment t'appelles? Awa. 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 Elle ne parle plus Awa. On est déjà eu visa là. Hein? Awa. Awa. Vous prenez votre temps pour manger l'homme. Mangez l'homme. Et tout ça s'arrachite d'abord. Non, c'est comme ça. La dame qui est morte à Zaroko, quand elle prend une lumière, elle voit le feu dedans. Elle prend de l'eau. Ou bien, c'est pas ça? Elle voit l'eau. Elle ne peut pas manger tant qu'elle n'a pas parlé. C'est ce qu'on appelle Dieu, le châtiment de Dieu sur la vie de quelqu'un. Le seul remède, il faut qu'elle parle. Elle a eu tout le temps. Elle n'en parle pas. Les gens pensent que c'est là, c'est amusement. C'est pas amusement, c'est. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est cet homme de bon. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, merci toi. Ah ouais. Ah ouais. À donner folle. Voilà, elle a commencé. Elle ne veut pas parler. Et puis lui, elle l'a touché. Monsieur, ça va? Ça va bien. Là, tu as eu la chance. Tu te dis forcément, on est obligé, merci. Ça va? Ça va? C'est bien. Elle mange même pas. Hein? On appelle ça visite. Ouais.